Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une review Monster High avec la collection Great Skier Reef. Et c'est la poupée, ou ce sont plutôt les poupées Perry and Pearl Serpentine. Alors voici la boîte. On retrouve sur le côté leur nom indiqué en lettres orange: Easter, Daughter of the Hydra, donc les filles de l'Hydra. On a le logo Monster High sur le côté droit ici, avec des tentacules de pieuvre. Et ici, il y a écrit « Glow in the dark », donc brille dans le noir. On a des algues, voilà, c'est très joli, la boîte. On voit la poupée, et ici, on a écrit qu'il y a le Jerry, donc le journal intime, à l'intérieur. Ici, un dessin des poupées, le logo « Great Skier Reef ». Et ici, une pub pour le Blu-ray, DVD et digital qui sortira en 2016 du film. J'ai vraiment hâte qu'il sorte. Donc sur le côté, nous avons juste ici le logo Monster High, et ici c'est transparent. L'autre côté, c'est transparent. Et je vous montre l'arrière de la boîte, qui est vraiment très sympa. On a un fond violet avec ici l'illustration. Donc vraiment magnifique, hein, les deux siamoises. On a un joli fond. Ici on a une illustration, ou plutôt une photo, qui montre que en fait ça brille dans le noir. Je ferai un petit test, hein, pour voir si ça marche. Et bien entendu ici une biographie, donc elles ont 16 ans, et c'est écrit en anglais, donc si vous voulez mettre pause pour lire, n'hésitez pas. Et là on a aussi un petit descriptif de cette collection en anglais, bien entendu. On a les réseaux sociaux, et ici nous avons les autres poupées disponibles dans cette collection. Donc voilà pour la boîte, je vais à présent la déboxer. Alors les voici sortis de la boîte. En fait il n'y a pas de socle. Socle en fait c'est leur queue en fait. Voilà tout simplement. Et c'est expliqué ici en fait sur des petites feuilles. Voilà donc comment mettre la queue en fait pour pouvoir que ça tient. Voilà. Et donc ça c'est les collections. Et en fait elles sont un peu toutes différentes les poupées. Alors je vais commencer par vous montrer le petit journal intime avec écrit Perry and Pearl Serpentine. Voilà, donc tout est écrit en anglais, par contre malheureusement je pourrais pas vous traduire. Et après, bon, bah, on a du texte. L'écriture, elle est un peu spéciale ici. Perry écrit bizarrement, Pearl écrit un peu mieux je trouve. C'est ça qui est assez sympa. Et ça me fait penser à American Horror Story avec la saison 4, les Siamoises qui créaient leur journal intime. Et elle ne voyait pas la même vision des choses, donc c'est un peu sympa, enfin c'est un petit peu la même chose. Alors je vais vous montrer maintenant la poupée, ou plutôt les poupées, je ne sais pas comment dire, c'est assez spécial. Je vais commencer par vous montrer les visages. Alors je ne sais pas qui est qui, par contre. Voilà, donc je vais dire la celle aux cheveux bleus. Alors elle a un maquillage bleu autour des yeux, avec un petit peu d'orange, son rouge à lèvres est rose-violet, voilà. Elle a des petits points aussi bleus, ici, voilà. Alors, elle a une boucle d'oreille, hein, sur ce côté. Donc, elle est dorée, la boucle d'oreille. Je vous montre ses cheveux, donc bleus avec des mèches blanches. Ça fait des petites boucles, hein, ici. Il y a un peu de lac, mais très peu. Voilà. Et donc celle aux cheveux blancs avec des mèches bleues. Voilà, il y a des mèches bleues ici. Alors elle a un maquillage différent. Un maquillage violet et un peu de vert. Et un rouge à lèvres orange, rose, orangé. Ouais. On a des petits points bleus aussi. Voilà, très sympa. Et sa boucle d'oreille est violette, elle. Donc il y a deux têtes, deux coups, mais un corps. Voilà, alors son vêtement, donc je vais vous montrer, elle a un collier déjà, donc doré. On a une petite clé ici, c'est sympa, comme tout. Son haut, on a des petites épaulettes ici en tulle. Sinon ça fait comme un maillot. Ou un t-shirt, ouais, ça fait comme un top. Donc j'essaie de vous le montrer parce qu'on a tellement de choses dessus. Voilà, donc des motifs marins, de l'eau. Mais c'est très flashy, hein, les couleurs. Donc ça fait comme des algues. Et ici, une ceinture qui est vraiment très sympa. Voilà, donc ici, on a
Bah une clé, il me semble que c'est une clé, ou deux clés plutôt, avec une tête, un crâne, et ici je crois que c'est un coquillage. Et voilà, et là donc c'est très joli, ça fait des petites perles. Donc j'aime beaucoup, ça fait vraiment magnifique. Alors ce que j'aime bien aussi au niveau des bras, bah on a ici des, comment on peut appeler ça, des ailerons, je sais pas, des nageoires. Ouais, des nageoires, on a les mains palmées, hein, comme la Gouna. Alors maintenant, la queue, bah alors ouais, c'est vraiment très travaillé. Parce que là, on a des nageoires. Ici, alors normalement, je crois que c'est ça qui brille dans le noir, on vérifiera après. Après, on a comme des algues, hein, ici en motif. Alors, c'est articulé, hein, la queue, ici. Regardez, on peut plier. Voilà. On peut tourner. On peut tourner ici. Très sympa. Mais pour faire tenir debout, il faut mettre comme ça. Alors, je vous montre bon, que la nageoire. Alors, ici, on a comme des petits bijoux. C'est marrant. Voilà, donc c'est une queue très travaillée, je trouve, quand même. J'aime beaucoup. Bon, allez, on va faire un test dans le noir pour voir si ça brille autant bah, que ça. Et voilà, donc on voit bien, en fait, c'est bah, sur le côté, là. On voit vraiment que ça brille, c'est très joli. Dommage qu'il n'y a pas plus d'endroits. C'est dommage parce qu'on aurait pu voir sa silhouette s'ils avaient fait un peu partout. Mais bon, vous voyez ici le principal. Donc voilà pour la review de Perry and Pearl Serpentine. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire si vous avez aimé bah, cette vidéo et si vous aimez ce genre de poupée. Alors moi, je vais prendre que celle-ci hein, dans la collection parce que c'est mon seul coup de cœur. Parce que je trouve que ça change. Hein. Un petit peu avoir une poupée siamoise en plus sirène, donc c'est vraiment top, j'adore. Voilà, donc vous pouvez aller sur ma page Instagram, Facebook et Twitter pour voir plus de photos. Moi, je vous retrouve pour une prochaine review Monster High et surtout de nouvelles histoires. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut!